Salut tout le monde, c'est Vexing Tiger 037 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cuphead. Et oui, un jeu que j'ai pas encore fait de vidéo dessus, que j'ai eu assez récemment. Puis je pense que si vous connaissez assez bien la culture YouTube, vous avez vu des vidéos de PewDiePie. Ben il a fait des vidéos sur ce jeu là. Ça s'avère être un jeu très difficile, même quasiment rageant. Ben moi j'ai passé le premier monde avec difficulté bien sûr, mais là on est rendu au deuxième, que ça c'est une autre affaire, c'est très difficile. Fait que moi je vous propose qu'on fasse un niveau tout de suite avec un boss de montagne russe. On va le commencer en simple, puis si on le passe trop facilement, on va se mettre tout de suite en régulier. Parce que oui, il y a deux difficultés, le simple qui est déjà assez difficile, puis le régulier qui est beaucoup plus difficile. Je pense juste passer le premier boss en régulier ou peut-être deux autres là, mais pas plus que ça. Salut l'ami. Je connais vraiment pas ses attaques lui par exemple. Gotcha bitch. Ok, faut que je saute par-dessus. Gotcha bitch. Attends, oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Gotcha bitch. Mais, les canards. Oh, attends un peu là. Ok, juste deux attaques. Mais c'est pas mal là. Ouh, ça c'était sketch. Ah merde. Où est-ce qu'il va atterrir, mais ok, il est là. Ok, ça me dit quelque chose, ça, c'est la grosse tête de ballon là. Merde. Je vais essayer aussi de plus parier avec mes trucs. Merde. Bon, comme vous pouvez voir, il y a trois attaques différentes. J'ai peut-être fait la moitié du niveau, c'était pas si pire. Mais c'est quand même assez difficile. Bon. Bon, c'est beau. Ouh! Let's go. On n'a pas perdu encore une vie. Oh yes! Pas perdu de vie là-dedans, ça c'est bon. Il faut qu'on fait sa tête. Là. Bon. Et bon, ça va la concentration par exemple pour ça. Il y a des chiens partout, il y a des chiens ballons. Puis aussi, oh, ok, ça c'est fait. J'ai une deuxième attaque comme ça là, pour mettons que j'ai besoin d'aller plus proche. Oh, ok, c'est ça. Mais, ok, on va s'aller de l'autre bord. Ok, il y a une place au milieu. Mais, ils ont ma étoffe. Non. Oh non, j'ai rushé dedans. Bon. On sait ces trois attaques à date. La dernière, il faut leur se garder un maximum de vie, comme tantôt. Comme pas le temps de réaliser que c'était un jaune. Bon, on le réessaye. Make your wrong damn decisions. Don't let others.
rendu à la dernière étape, puis on a encore 3 vies. Merde. On va voir si encore le cheval. Qu'est-ce que c'est? Là c'est quoi? Ok, on se baisse. Parfait, c'est là. On a juste perdu une vie. C'est, je sais pas pourquoi c'est difficile les verres. Ok, on se passe. Bon, c'est dans le fond. Ouf! Merde. Oui, je vais essayer de l'avoir, Je vais bientôt l'avoir. Oh boy, ça je vais pas. Un jaune. Je pense que celle-là c'est la bonne. Oh merde, non! Je suis à jaune. Hey, j'ai tellement hâte qu'ils disent it's a knockout. Oh boy. Y'a un skin qui vont dire knockout. Oui! On l'a eu! On a battu le boss. Vous voyez? La fierté que j'ai en moi là, ça a aucun bon sens. On va voir la grappe terrible, attention. HP bonus. 1. 1. 6. Day! C'est de la merde. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur Cuphead. Si oui, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça se peut que je refasse une vidéo dessus avec des prochains boss ou d'autres mondes. Puis, si vous avez aimé ça, dites-moi là dans les commentaires. Vous pouvez mettre un boss si vous n'en connaissez dans le jeu. Mettons, vous pouvez me dire, je sais pas, la grosse carotte puis la patate. Ça en est une idée. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!